d'abord, j'aimerais savoir quelle place la musique a dans ces films, quel rôle joue-t-elle? Le film est composé, elokuva koostuu, sanoista järjestetään, on oikein järjestetään. Teksti, joka on siis näytin. Oui, le texte, c'est une pièce. Il y a l'image, naturellement. Il y a le son. Ja näyttämistä ei saa unohtaa. Il ne faut pas oublier les acteurs non plus. Mutta yhtä oleellinen tekijä on musiikki. L'essentiel, c'est aussi la musique. Jopa jos sitä käytetään niin Bresonessa, Valtasaarissa on joku yksi musiikin kohta, mutta se on sitä voimakkaampaa, se on niin vähän. Même si on l'utilise comme Bresson dans Baltasar, il y a qu'un petit moment, mais c'est quand même autant plus important. Ja juuri sen takia ammattilainen elokuva tuhoutuu kaikkien muiden syiden ohella myös siinä, että musiikki on joka kohtauksessa, koska kukaan ei luota enää kohtauksessa sinänsä. C'est ce qui va faire mourir justement le cinéma américain, qu'on l'utilise trop et la musique est partout, alors ça devient grotesque. Et dans votre film, la musique parle à la place des personnages, des personnages athéniques. Oui, souvent justement le dialogue est remplacé par la musique. Et comment les choisissez-vous? Par exemple, vous êtes assez amateur de musique russe, on entend beaucoup de Tchaïkovski, Shostakovich. D'où vient votre choix musical? Je la choisis pendant le mixage. Parce que j'ai un panier, en fait. Je prends une pile de CD de mon étagère chez moi. Et pendant que les autres sont en train de mixer et travailler là-dessus, moi j'écoute la musique pour voir un peu ce que je vais. Suoraan, kun ei pystynyt. Miksi se oli semmoista, että se oli kerralla pois? Sitä ei voinut palauttaa takaisin. Laskin neulaan siihen. Vinyyli ja miksi on se itse. Et avant, quand il y avait encore les disques en vinyle, en fait, comme on ne pouvait pas compter, alors je mettais justement le disque en marche et comme ça je comptais directement, je le mettais dedans, je le mixais dedans. Sattuma parasta, levyjä sattuma. C'est assez, c'est un peu par hasard, les disques que j'ai trouvés. Jos tulee mieleen Louis Bunuelin Kultaajan ensi-ilta Pariisissa. Ah, le film de Bunuel. Sen ensi-illassa samaan aikaan, kun yleisö heitti kiviä ja kanavonia ja maaliportteja kankaalle, niin Bunuel seisoi siellä, se oli mykkäaikaa, siellä sen kankaan takana ja soitti musiikin. Ah oui, en fait, pendant l'avant-première de L'Âge d'Or, Bunuel, il était derrière l'écran, et c'est lui qui jouait la musique, et le public dans la salle était en train de jeter des œufs. Oui, parce que c'était les provocateurs de droite, en fait, qui jetaient des œufs et des cailloux. Alors lui, il était derrière l'écran. Et finalement, de mettre de la musique russe dans vos films, est-ce qu'il y a quelque chose de politique là-dedans? Non, mais j'aime la musique russe. Parce que je suis moitié russe. En fait, ça fait appel à mes sentiments les plus profonds. Musiikin käytössä on ennenkin tietenkin kontrapunkti, jota on väistämätöntä. J'utilise le contrepoint, justement, la musique, par rapport au scène, l'image.
Any Mexican and Tchaïkovski and tout ça, there's no problem. Et j'utilise beaucoup Tchaïkovski parce qu'on n'a pas besoin de payer les droits. Shostakovich, moi, ça a coupé. Shostakovich est très cher. Yeah, comme diable, dit-il. Tchaïkovski, Holland, parenté comme Prokofiev. Et Tchaïkovski, c'est mieux que Prokofiev. Yeah, c'était pas de mon chat, que moi, j'aime. Et en plus, j'ai le disque. Et donc, parlez-nous des Leningrad Proboy, une formation qui a abolé la guerre froide, qui reprennent des classiques américains, en s'inspirant également avec les chœurs russes, des hymnes patriotiques russes. C'est vous qui l'avez initié, ça s'est passé comment? Mais pas vraiment la fondation de ça, mais pour leur style, oui. Essentiellement, il y a deux choses. Les chaussures, c'est moi qui ai oublié. Et aussi, j'ai enlevé tout l'anticommunisme chez eux. Et moi, je ne sais pas jouer, mais j'étais responsable de tout ce qui est visuel par rapport à eux, et ça n'existe plus. Les quoi? Oui, l'image qui bougeait, évidemment. Vous avez commencé par le clip, puisque vous avez réalisé un clip avec eux. Oui, c'est un clip qui est allé là. J'ai fait 5 ou 6 rock video soon. C'est rock video. On les appelle rock video, mais moi je les ai tournés comme mes courts-métrages. Le matin, j'ai écouté la musique et l'après-midi, je tournais le film. Le lendemain, on a fait le montage et voilà, ça y est, oui, c'était chouette. Par rapport à Total Balaïka, on peut penser que ce film était très à part dans sa filmographie, mais est-ce qu'il le rattache de ses autres films de fiction? Non. Ah oui, c'était une situation chaotique où les caméras tournaient, 70 000 personnes. Ah oui, on a utilisé en fait tous les morceaux qu'on pouvait au niveau de budget parce que il y avait des droits qui étaient tellement chers qu'on n'aurait pas pu. Et quelle est la meilleure manière de filmer un concert? Il y a beaucoup de concerts en fait filmés. C'est chaotique chaque fois parce qu'on peut composer. Parce qu'il y a toujours plusieurs caméras, on peut être soit à côté d'une caméra. On sait jamais quand le chef opérateur est allé fumer une cigarette et perdu juste le meilleur moment. Une part d'improvisation. Ni est-il non une improvisation dans le film. Non, c'est peut-être pas de l'improvisation, mais c'est plutôt essayer de minimaliser le côté chaotique. Vous avez dit, you said, the cinema it died in 62, I think it was in October, and for the music. Music died, it changed from...